Premièrement, la présidence de la République française a fait instantanément un démenti total de ses propos et en a immédiatement informé, naturellement, les autorités finlandaises, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et la présidente. Bien. Donc ça ne supposait pas davantage de développement. En revanche, je voudrais simplement rappeler que pendant toute cette période où on a parlé du Liban, j'ai eu au moins cinq fois au téléphone le Premier ministre de Finlande, en partant du principe qu'il était président de l'Union européenne, président en exercice de l'Union européenne, et que par conséquent, je ne souhaitais pas prendre la moindre initiative sans l'avoir préalablement consulté ou informé. Et donc, à cinq reprises différentes, chaque fois que j'ai eu l'occasion de prendre une initiative, j'ai téléphoné au Premier ministre finlandais pour le consulter ou pour l'informer. Ce qui témoignait d'une relation particulièrement bonne entre la France et la présidence finlandaise, une relation qui, par ailleurs, allait tout à fait de soi. Donc, il s'agit là vraiment d'un incident n'ayant aucune portée.